Comme usager du bouclier, saviez-vous que vous aviez des droits? Oui, des droits, quelques-uns, mais pas tous, je pourrais pas dire. Saviez-vous que vous pouviez contribuer à l'amélioration des services du bouclier? Non, je savais pas. Comme usager du bouclier, saviez-vous qu'il y avait un comité pour vous représenter? Non, pas vraiment. Le comité des usagers du CRDP Le Bouclier, ce sont les yeux, les oreilles et la voix de tous les usagers du bouclier. Je trouve que les gens du comité sont très respectueux. Ils veulent rendre service et prennent au sérieux les demandes des usagers. Je peux témoigner des bienfaits des services du bouclier dans la vie des gens, car je suis moi-même handicapée auditive et le bouclier m'aide beaucoup. Mon expérience au sein du comité des usagers, c'est un défi pour moi d'échanger, de partager pour les situations des personnes sourdes, les difficultés des personnes sourdes, pour trouver des solutions, améliorer les services, la qualité pour eux, aussi pour la défense des droits. Je suis un usager du bouclier et j'ai eu un traumatisme crânien sévère. Puis, dans notre tête, on a toujours beaucoup de difficultés. Et si vous rencontrez un problème au bouclier ou que vous avez une difficulté, ne gardez pas ça avec vous, en vous. Parlez-en, osez parler, osez le dire à ceux qui vous entourent, cela peut vous aider. Je suis impliqué dans plusieurs comités au bouclier. Je sens que l'usager a sa place, qu'il y a de l'écoute. Comme maman d'un enfant dysphasique, ma motivation de faire partie du comité des usagers, c'est de m'assurer que les services répondent bien aux besoins des enfants et aussi des familles. Le comité des usagers n'est pas là simplement pour recevoir les plaintes. Nous sommes là pour l'amélioration de la qualité des services que vous recevez. Ainsi, nous vous invitons à apporter tous vos suggestions, vos commentaires et même vos préoccupations sont les bienvenues. Nous voulons, le comité des usagers, répondre à vos préoccupations et être là pour vous seconder et vous aider. C'est gagnant pour tout le monde. Nous assurons d'avoir une représentativité de chaque déficience, auditive, motrice, langage et visuelle, dans chaque région, Laurentide et Lanaudière. Et qui de mieux pour vous représenter, puisque nous sommes nous-mêmes des usagers? Je suis commissaire local aux plaintes et à la qualité des services au Centre de réadaptation de Bouclier. J'accueille les plaintes des usagers dans le but d'améliorer la qualité des services au centre de réadaptation. Le Bouclier est un établissement qui accueille les insatisfactions des usagers. Ils sont bien guidés pour formuler leurs plaintes et le but est vraiment d'améliorer la qualité des services par ce processus. Les usagers ont des droits, mais ont aussi des obligations. Sur le site Internet du Bouclier, le code d'éthique est diffusé. Vous pouvez le consulter pour y connaître aussi vos droits et vos obligations. Le comité des usagers est là pour vous. N'ayez pas peur de nous joindre par téléphone, par courriel. Nous avons aussi une ligne ATS pour les personnes sourdes. Vous pouvez trouver toutes ces coordonnées-là sur le site Internet du comité des usagers et du bouclier.